T'as vu ces trous là? Bon, j'ai pas te faire de schéma, frère, hein, tu vois comme moi. Bam bam, le mec il est venu, frère, je me rappelle, je faisais du rôle. Hein. J'entends, j'arrive à tirer et tout. Je vois, c'est sûr, frère. Tu peux même pas te raconter, voilà, c'est un film d'horreur. Salut tout le monde, c'est Gamo Rison. Aujourd'hui, je suis avec mon gars l'UF. Ça dit quoi? On est là, hein, au quartier, tranquillou, en altitude. Ça va ou quoi, Gab? Ouais, bien, toujours, mon gars. On est de quel quartier là? Dans quel quartier là? Là, on est en plein centre-ville, on est au Carme, au Grand Carme, dans le 13002. Voilà, comme tu peux le voir. Hein. C'est ça. La cité, c'est ma mère. Bah, je te laisse te présenter aussi, frérot. C'est moi, c'est le F, Faisal pour les intimes. 21 ans, j'habite au Carme. Je suis né au Carme. C'est mon quartier, c'est. J'ai toujours vécu ici, voilà. Je veux faire les anciens, j'ai refait pareil. Faire tourner le charbon et se méfier des femmes. Protéger mon gangbang, gros, j'ai fait la même. Je fais de la musique maintenant, ça fait 2 ans. Vraiment, vraiment, tu vois, que je me suis vraiment lancé et tout, que j'ai commencé à sortir des clips. Et voilà, avec Mendoux, Mange Sand, de là, frère. Je fais de la musique aussi avec le collègue, il fait de la musique, Nissan. Et le frérot aussi, c'est mon frère lui. Il fait de la musique aussi, tout le monde qui fait de la musique ici, mon frère. Ah, voilà. C'est bien. Il n'y a que des rappeurs, frère. Voilà. Ça a fait des clips un petit peu, vous tous là ou quoi? Ouais. Il a fait un clip avec moi ici. Nissan, toi, tu as pas fait de clip ici? Non, moi, non. Je suis que sur Insta pour l'instant. Que aussi. Sur Insta, ouais. Et moi, j'ai fait des clips, j'ai fait un clip avec lui qui est sorti il y a un an environ. Et après, le reste, on s'en a côté, il a capé. C'est ça. Voilà, tu sur la page YouTube, ce que tu veux. Allez checker ça fort. C'est ça. Le KP Gang. Et voilà, moi j'ai fait mon clip ici. Ouais, ici. Fait ouais. Mon clip. Mes clips ici, la plupart des clips, je les ai fait ici, dans le stade. Parce que comme tu peux le voir, tu vois, c'est bien, tu vois, il y a de la couleur et un peu. Ouais, c'est bien. C'est pas mal, tu vois. Pas mal de couleurs. On peut monter en haut et tout, tu vois, on grimpe sur on grimpe par la droite, là, le grillage, on monte sur les toits. Si t'es chaud, frère, si t'es un cascadeur, on monte. Je te montre, frérot. Je te montre toutes les coulisses des toits, toutes les combus que ça a fait sur les toits. Et quoi, y a des bons joueurs qui sont sortis d'ici ou quoi? Des bons joueurs? Tu connais les gamins croisés, c'est comme. Ils ont tous des ligaments croisés, les jeunes d'ici. Non, y a pas de joueurs ici. Y a des bons taulards ici. Voilà, y a des bons taulards, tu vois. Ça ressemble un peu à une promenade, tu vois, avec les grillages. Ah ouais. Y a des bons taulards, mais des joueurs, y a pas trop de monde. Hein. Bon, je crois que ce qu'ils essaient d'écrire, là, j'arrive pas trop à comprendre. Mais tu vois, y a deux menottes, tu as vu autour. Ah ouais. Ça tue, hein. Et dis quoi, avant ça, il y avait le stade Vélodrome, j'avais que des cochons. Ah ouais? C'était même pas des gens, c'était que des cochons. Bah là, ils les ont fait les ports là sur le côté. Ouais, là. La vie de ma mère, j'avais le nez de cochon, voilà. Le CRS, les ports, c'est fou. Et justement, la question habituelle, c'est est-ce qu'ils viennent casser les couilles pendant l'équipe? Après, tu connais, c'est quand même un peu de partout, frérot, j'ai envie de te dire. Hein. Tu vois, quand tu fais de l'argent illégalement, quand tu touches une certaine somme par jour, ça emmerde un peu tout le monde. Hein. Tu vois, c'est quoi? Ils viennent de temps en temps, bon, pas les CRS, tu vois. Là, ils ont mis les CRS parce que stade, bordel. Mais non, c'est les civils, le MHB, les civils de la journée, les civils de la nuit, les nationaux. Comme d'hab, quoi, un peu partout, comme dans les autres quartiers, quoi. Ouais. Mais les CRS, ils n'ont jamais. Puis là, vu qu'on est bien, on est proche du centre-ville et tout, pour clipper, là, sans qu'ils débarquent, ça doit être chaud un peu, non? Tu vas voir après, c'est ma mère que le quartier va être bien, tu vois, bien animé, bien réveillé, ouais, ils vont sûrement venir. La plupart de mes clips que j'ai fait ici, tu vois, l'équipe, ils arrivent, les bordels. Tu fais un barbecue, ils te rendent fou, on dirait ça, tu vois, ouais. Barbecue, ça leur fait mal à la tête aussi. Mais on continue de faire notre argent, frère. Continue d'avancer, mon frère. Ça ouais, tue, hein. T'as pas du mal à marcher partout là-dessus, toi ou quoi? Frérot, c'est un char-tête, t'as vu? C'est. Tac, tac. Non, après, tu connais, on a l'habitude, voilà. Des fois, je te mens pas, y a des. T'as vu comme dans les films, t'as vu? Y a des pièces qui tombent, des bordels. Ah ouais. Frère, mais tu connais, quand on était petit, là, cette heure-ci, je le ferais pas, t'as vu? Mais avant, frère, tu sais, on s'en battait les couilles, frère, on marchait, on courait. On dirait, on était. Ah ouais. Un jour, il y en a un, la tête de ma mère, il a fait une connerie ici. Il a cavalé, frère, il a sauté de là, mon frère. Wesh. Il a commencé haut là,
nous, quand on quitte les ballons, tu sais, quand on joue au foot dans le stade, on quitte les ballons. Et ben, tu as vu en bas, ça, c'est là où on était. Ouais, ouais. On descend en bas, on grimpe un petit grillage. Et cette fenêtre, je m'en rappellerai tous les jours. Voilà. Comme si c'était hier, cette fenêtre. Et ça faisait quoi là, voilà. Je t'ai dit, frère, le mec, il a laissé sa fenêtre ouverte. Ah, c'était celle-là, là. Ouais. On est passé par là, on a fait ça, on a mis le petit. Ah, ouais. On est rentré dans la fenêtre, on a pris un ordinateur. Oh lolo. Pour 20 balles, j'ai eu ce ça, là. T'imagines? Ouais. 20 balles, frère. Alors, le F. Placard du charbon, hein. C'est ma mère. Il y a des clips qui se sont fait là un peu ou quoi? Deuxième frappe. J'ai fait une partie ici. D'ailleurs, allez-y regarder le clip, frère. Là, frère, c'est l'un de mes meilleurs, tu vois, riche en émotions, pas mal de bons trucs que j'ai dit dans la musique. Et ouais, on a fait, j'ai pas fait un clip entier ici, mais j'ai fait une petite partie, tu vois. J'ai fait une petite partie, tu vois, c'est, je suis obligé pour représenter le charbon, tu vois. Et voilà, on parle de la fenêtre, pas que le dame à 1 euro. C'est carré. Toi, de base, t'as commencé comment le son, toi? J'étais dans une association, enfin dans un centre, tu vois, le centre du quartier. Il y avait un studio en bas, tu vois. Et on écrivait des textes, atelier écriture, ça s'appelait. Tu vois, on se basait plus sur l'écriture et tout. Et on faisait des musiques. Je connais, c'était pas, tu vois, un truc waouh, tu vois. Mais ça va. On va dire que j'arrivais à gérer ça, voilà. On a commencé là, et voilà. Il y a mon frère, il rappe, mon grand frère, NIC, je pense, tu vois. NIC Numbers. Ah oui, à l'ancienne, ouais. En prison, là. Big up à lui, frère, force à lui. C'est lui qui m'a plus motivé, tu vois. Je le voyais faire et tout, je le voyais écrire, je le voyais faire des musiques, je le voyais, tu vois, entouré de personnes, tu vois. Voilà, il m'a motivé, voilà. T'as déjà fait feat un peu avec lui ou quoi? Oui, j'ai fait pas mal de musique, mais on les a pas encore sortis, tu vois, ils sont de côté et tout, parce que tu connais, lui, à chaque fois qu'on fait des musiques, il termine en prison, il peut pas clipper, tu vois ce que je veux dire, c'est, ouais. c'est les problèmes, voilà. Là, on va te montrer un peu, tu as vu la résine, le bordel du quartier. Voilà. On va te montrer un peu les bordels du quartier. Que des bûches, mon frère. Que de la frappe. 10, 30. Voilà. Oh, l'EF. Oui. Il y a un rappeur à nous présenter là, quand même. T'as fité avec lui. Sur ma mère, Otaz. Taz, ma mère, il est là, frère. C'est le One Piece en personne. Ça fait longtemps, Taz, hein? Ouais, ça va le sang. Ouais, au calme, mon gars. Et c'est comment la connexion entre vous deux? Elle s'est fait comment déjà? Voilà, mon frère, c'est frère Rosenzin. Ça va plus loin que la musique, c'est la famille, frère. Voilà. Depuis longtemps, on se connaît. Et tu connais, il a fait un projet là récemment. Dis-le, tu racontes-leur un peu l'album. Roi des pirates. Ouais, Roi des pirates. Des pirates, mon frère. Des pirates. Voilà, que des feats, plusieurs feats, t'as quoi, 6 solo. On a ramené le zinzin et voilà. On a mis dans son projet, voyons, voilà, c'est une chouette, c'est ma mère. On le retrouve où le projet? Il y a qui dessus? Il y a... De partout, voilà. Sur YouTube, toutes les plateformes. Il y a l'EF, il y a Soso, Maness, Amnas Campia, Tipeee, Yous. Pas mal de monde, ouais, c'est vrai. Le A, Machiavel, Badri, Dry, voilà, L.I.M. Je trouve des pirates, tranquille. Bah, c'est tranquille, bien, c'est des pirates, frère. Voilà, c'est le One Piece. Ouais, ouais. C'est comment la mentale là dans le 13002? C'est voilà, différent dans le 13002, frère, j'ai envie de te dire. La plupart des gens ici, frérot, ils sont renfermés, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai ou pas, mon frère? C'est vrai un peu le 13002, 13003, comment ça se passe, mon frère? Voilà. C'est la seule. Voilà, c'est les pirates. C'est le problème à info, ils sortent du lot, ils font sortir du monde. Tu te fais niquer, mon frère. Ouais, tellement même. Voilà, t'es nia, tu te fais écraser, tu te fais. C'est grand, hein, mine de rien. Ah, c'est grand ici, hein. T'as vu, c'est... Mais du coup, il y a du soutien entre tous les secteurs, là. Le panier, les carmes.
voilà, la fac et tout. Tu soutiens, mais tu sais même pas, tu vois, si c'est réel, si c'est, tu vois, si ça sort vraiment du cœur, tu vois ce que je veux dire. Ça peut être l'hypocrisie comme ça peut être du vrai soutien, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens, frère, je t'ai dit, ils sont trop parano, ils sont trop dans leur truc, tu vois. Ils se disent, ouais, si je vais donner la force à lui, mes fans, ils vont. Hein. Tu vois comment c'est vraiment une gamberge. Voilà, tu vois, c'est, tu donnes la force, tu vois, normalement, ça sort du cœur, tu vois, c'est sincère, genre. Mm. C'est une vraie force, tu vois. Mes frères, eux, ils donnent la force, mais tu sais même pas si c'est réel ou pas. C'est ça le problème d'ici, tu vois. Ouais. Et ici, mon frère, c'est un bon ami, tu vois. Il est mort, voilà, Rahmo. Comme je t'avais expliqué, tu vois, pour l'histoire qu'il y a eu et tout, c'est. Il reste gravé dans notre cœur, mon frère Zoulette. C'est les hommes, frère, voilà. Ma mère, les fleurs des enfants, frère, veille, regarde ce qu'il y a marqué. Voilà, c'est des sales histoires ici, ouais. Voilà, il n'y a pas de. Tu vois. En tout cas, frère, il reste gravé dans notre cœur, voilà. C'était un bon grand de notre quartier, voilà. Justement, là, on est en plein dans le centre de Marseille. Là, niveau grec, enfin niveau snack, comme vous dites. Ouais. Niveau alim, tout ce qu'il faut, il y avoir plein de trucs, frère, ici. T'es sérieux, t'as un truc de grossiste, t'as l'alim, t'as même un homme assistance, t'as un cabinet sage-femme, photographie, mon frère, dans le quartier, tu veux quoi de plus. Là, tu ça y est, frère, ça suffit. Là, c'était le centre aéré, tu vois, où je t'avais expliqué, j'écrivais et tout, les musiques et tout. Frère, ce centre, voilà, mon frère, je te mens pas, il nous a fait sortir de beaucoup de galères, tu vois. Ah ouais, grâce ouais. à ça, tu vois, on a pu voyager, tu vois, genre pas cher, tu vois. Ça nous a fait voyager, ça nous a fait sortir un peu de partout, voilà, c'est... Grosse force, mon frère, à lui qui a fait ce truc-là, mon frère, voilà, c'est un tueur, voilà. Ici, ça va, pas trop de sales histoires, tu vois. C'est plus les moments détendus, ouais, genre une vie, tu vois, un peu loin de tes collègues, un peu loin du, entre guillemets, du quartier, même si tu es encore au quartier, c'est un peu loin du quartier, tu vois. Ouais. Là, tu es dans l'endroit. En plus, il y a plein de trucs à côté, vieux port, tout ça, c'est pas loin. Là, il y a le vieux port à 5 minutes, là, juste là, là. Tu vois, tu descends. Derrière ce bâtiment, tu as le public. Après le public, tu as le panier. Et après le panier, tu as le vieux port. Ok. Là, c'est vraiment, tu dis, en plein dedans. Regarde, bébé. Regarde les panneaux. D'abord. Ah, ouais. Il t'indique vieux port, tu sais, avec le panneau. Voilà. Vieux port, ma gueule. C'est juste là. Pas loin. Bon, c'est carré, mon gars. C'est carré. Toi, les projets, un peu, ça dit quoi aussi? Les projets, la vérité, je vais pas te mentir, tu vois. Genre, j'ai des clips de côté, j'ai des freestyles de côté, j'ai des textes, j'ai des milliers de sons de côté. Pour l'instant, je prépare un projet, mais doucement, tu vois. Genre, je prends mon temps. Il n'y a pas encore de date, il n'y a pas encore de, tu vois, de trucs, de délai ou quoi. Le projet va s'appeler Mélodie du Ghetto. J'ai déjà réfléchi à ça. Après, je peux pas t'en dire plus, tu vois, parce qu'il y a rien. Comme je t'ai dit, j'ai que des trucs de côté, j'ai que des bails de côté, mais j'ai pas encore de projet, tu vois. J'ai les idées, mais j'ai pas encore. Bientôt, Inch'Allah, voilà, bientôt, Inch'Allah, on va faire la mélodie du ghetto, tu vois, ça va être genre un peu mélodieux et un peu le ghetto, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Moi, si tu écoutes mes sons et tout, la plupart de mes sons, ils sont, c'est pas qui cache. Mais genre, tu vois, c'est un peu mélancolique, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est mélancolique et à la fois rap, on va dire. Entre les deux, c'est pour ça que je vais appeler mon projet Mélodie du Ghetto, tu vois. Il n'y a pas trop de monde, tu vois, ici en plus dans le centre-ville qui font des musiques, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, qui font du rap mais mélodieux, tu vois ce que je veux dire. Ouais. La plupart des gens, ils veulent montrer leur valeur, quand en parlant de moi, je te nique ta mère, moi je te... Ouais. Tu connais, moi aussi je peux te niquer ta mère, moi aussi je peux sortir des guitares, tu vois, mais frère, la musique, faut que ça soit ouvert pour tous, tu vois. Frère, moi j'ai pas envie, mon père il m'écoute et il m'entend dire je te baisse ta mère, tac, dégage qui tu veux. Ouais. Ça fait chauffer, voilà, ça fait chauffer le sang, voilà. Et quand tu prends la A7, l'autoroute, la tête de ma mère, prends l'autoroute, va du côté Port d'Aix et tout, du côté genre à la fin de la A7 en gros. Tu vas voir, il y a un panneau en haut, il y a écrit les grands cars. Ah ouais? Il t'indique où c'est les grands cars, frère. Et justement, ici, centre-ville, est-ce qu'il y a des différences avec quartier sud, quartier nord, un peu dans la dégaine, dans la façon de rapper, dans tout ça? Il y a pas de différence, tu vois. Tu connais, c'est Quechua, c'est de partout en fait, tu vois. C'est même à Paname et tout, si tu remarques bien, tu vois. C'est quand des gens ils s'habillent comme ça, tu vois, genre des haines, survêtes.
Paname, tu les vois, t'es un survêt. Ouais, c'est partout nord, ça, c'est. Les quartiers nord, c'est pareil. Tu vois, c'est parce qu'il y a souvent des gens des quartiers nord qui descendent en ville. Des gens dans la ville, ils montent au quartier nord. Ça veut dire que ça se passe vite le monde, tu vois. Ah, ça m'a démarré. Tu as vu ces trous là? Bon, je vais pas te faire de schéma, frère, hein, tu vois comme moi. Bam bam, frère, voilà. Frère, il y a eu, tu connais, des guerres. C'était vraiment à l'époque, tu vois. J'étais petit, moi. Je faisais encore du roller ou de la patinoire. Ou... Tu vois ce que je veux dire? Tu connais, un mec, il est venu, frère. Je me rappelle, je faisais du roller. J'entends, tu as vu ça tirer et tout. Je vois, c'est... Tu peux même pas te raconter, voilà, c'est un film d'horreur. C'est quoi, c'est une école ça ici? C'est une maternelle. Ah ouais? C'est une maternelle, tu m'as dit. Une maternelle avec des impacts de balles. Bon, je vais te demander, regarde, tu vois les balles, elles sont parties de là-bas, tu vois. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'est une maternelle, mais c'est aussi un truc de. Regarde. Ah ouais, jusqu'à ici, hein? T'imagines? Et ouais. T'imagines, frère? C'était des balles de calage, des balles de guitare. Voilà. Ils sont venus de là-bas, frère. Oui, Sar, c'est qui tes rappeurs qui t'inspirent le plus, qui t'influencent le plus? Les rappeurs qui m'inspirent le plus, la vérité, je te mens pas. C'est Jules, Yaya Dina, tu vois les trucs dans les tendances de maintenant, tu vois. Ouais. Pas de faire le mec qui va te dire Chief Keef ou Tupac, tu vois ce que je veux dire? C'est plus les rappeurs de maintenant, les. Tu connais les Yaya Dina, Jules, tout ce qui est dans les tendances de maintenant, tu vois. J'ai un peu de tout, moi, tu vois, je suis ouvert à tout, toutes sortes de musique. On fait souvent des barbecues ici ou quoi? Ouais, ça va, t'es sérieux? Qu'est-ce que ça fait, mon frère? On fait des barbecues. Le plus simple, voilà. On met tous 5 euros chacun, frère, on fait un barbecue. Frérot, histoire de terminer la vidéo, j'ai la dernière question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton équipe de foot préférée? Mon équipe de foot préférée? Mais gros, c'est Marseille, bébé. C'est Marseille. Ah ouais, le zik, hein? Mon frère, on vient d'où, nous, mon frère? Marseille, c'est Marseille, voilà. Bon, ça tue mon gars, t'as des réseaux aussi qu'on te suive un petit peu? Ouais, Snapchat, Instagram, Twitter, ma chaîne YouTube, Snapchat, ajoutez le F, LEE.F13, Instagram, le F Product, LEEFPRODUCT, Twitter, vous allez voir sur Instagram de toute façon, vous n'allez pas galérer à trouver. Ça marche mon gars, merci en tout cas. Merci ma gueule, en tout cas, ça fait plaisir voilà, que tu sois venu au quartier, tu connais tout le monde avec moi, on a passé un bon petit moment. Ah bien sûr, une prochaine fois c'est sûr mon gars, sûr. Vas-y, bien vu hein. Merci ma gueule. Dans mon putain de cœur sur mon calibre, le bonheur ne s'achète pas, prends-le. Plus de connaissances que de vrais amis, donc je recoupe les ponts en deux. Couper des bûches, gratter des murs, je te jure c'est dur mais l'argent motive. C'est pas la rue qui me tue mais mes faux amis. Je mets un pied dans le bitume, je frotte la béquille.